Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du Let's Play sur Atelier Sophie 2. Donc c'est le quatrième Let's Play, hein, je crois. Hein. Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dream, pardon, sur Nintendo Switch, hein, pour ma part. Donc là, vous voyez le losange bleu qui clignote. On doit aller à la Near Forest, donc la forêt, hein, qui est toute proche. Du coup, on va juste regarder par rapport à la quête principale, donc Go to Near Forest, en bas, hein, c'est pas encore coché vu qu'on n'a pas terminé. Donc Cathy nous a dit que Ramizel était à la Near Forest. Ramizel, c'est quelqu'un qui connaît vraiment, c'est la première personne qui est rentrée dans ce monde là, et elle connaît la déesse des rêves. Comme ça elle pourra peut-être nous aider à retrouver du coup la plage de Sophie. Hein. Alors maintenant qu'on a une nouvelle map, nous pouvons aller là-bas. Alors du coup, oui, parce qu'effectivement, alors je vais sortir. Et c'est vrai qu'on peut même se téléporter. Alors, petit temps de chargement. Bon, c'est bizarre parce que c'est quand même la version Switch. Je trouve que les temps de chargement sont un petit peu longs. Alors. Voilà, donc là, on est dans la ville de Roytel. Donc là, c'est l'arbre des rêves. C'est joli, ces petites sources qui brillent. Je trouve que la carte du monde, elle est très très belle. Alors, je sais pas si du coup, ça va s'agrandir, hein, au fur et à mesure. Ou si on a déjà toute la map. Donc ça, on verra bien. Donc là, Windsweat Plains. La forêt, de toute façon, elle est juste après. Hein. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on a vu ça la dernière fois. On peut voir tout ce qu'on peut collecter dans les différentes zones. Bon, tout n'a pas été... Il y a des trucs qui sont bloqués parce qu'on n'a pas tout trouvé, hein, sans doute. Peut-être qu'il y a des choses qui apparaissent un peu plus tard en prenant des levels. Et du coup... Ça, c'est pour les trucs à récolter. Et là, c'est pour les monstres. Et comme ça, on voit un petit peu le bestiaire aussi. Hein. Donc du coup, là, je me téléporte à Newborn Verdure. Et après, du coup, je pourrais aller à la Near Forest. Parce qu'il me semble, quand j'avais écouté les explications la dernière fois de Cathy, voilà, c'était à l'extérieur de... Encore un petit peu après les plaines. Hein. Ah, alors Plajta, elle nous suggère en fait, en gros, de prendre l'opportunité d'être là pour prendre des objets pour la synthèse. Hein. Voilà, ce monde est plein de matériaux uniques. Ça va pas nous déranger, hein, de le faire. Hein. Allez, bonne idée. Peut-être que je reviendrai avec des nouvelles idées pour des recettes. Pour des nouvelles recettes. Alors, si tu vas vers ça, je peux vous aider aussi. Alors, crie. Si tu vois quelque chose d'utile. J'adore le design comme ça, manga. Alors, ah oui, les idées de recettes. Effectivement, les idées de recettes. C'est vrai que les recettes, j'aimerais bien savoir comment on les a, effectivement. Alors, en performant certaines actions de synthèse, des combats, de récolte, etc., ça va inspirer Sophie pour venir avec des nouvelles recettes. D'accord. Donc, plus on récolte, plus on fait de récolte, plus on fait de combats. Et d'accord, plus on fait de synthèse, plus elle va elle-même engranger des nouvelles recettes. Ah, c'est pas mal. C'est pas il faut trouver les recettes comme ça, c'est d'accord. En jouant, en fait, hein, finalement. D'accord. Alors, chaque recette a un ou trois objets requis, hein, qui est bloqué. Et ça peut être checké dans les idées de recettes, dans la section idées de recettes du menu principal. D'accord. L'arbre de recettes montre l'ordre dans lequel on peut débloquer de nouvelles recettes. Ok. Quand tu débloques des recettes connectées à d'autres avec une ligne, tu recevras des hints. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Pour le prochain, pour la prochaine recette à côté. Les recettes que tu peux débloquer
auront une silhouette. Ah oui, d'accord, qui sera retournée peut-être. Ou displayed peut-être entouré. Les recettes marquées avec voilà une bordure jaune sont des recettes importantes. Non, ça c'est encore autre chose en fait, ok. Qui deviendront disponibles quand on progressera dans l'histoire, ok. Alors, la page des recettes de Sophie. La liste. Ouais, les listes de pages de recettes des recettes de Sophie. Ah non, d'accord. La page de recettes de Sophie liste les recettes que Sophie peut, je sais pas, peut apprendre peut-être Candy Vice. Les recettes de cette page peuvent seulement être synthétisées par Sophie. C'est une bonne idée de démarrer avec les recettes marquées avec recommandées. Ok, effectivement. Alors, tu peux aussi apprendre de nouvelles recettes en obtenant des textes de référence, d'accord. Il n'y a pas que elle qui va voilà, avoir des recettes qui vont lui être suggérées par elle-même. Il y a quand même des textes de référence où il y a des recettes, ok. Donc des bouquins qu'il faut trouver, hein, sûrement. Quelques textes de référence peuvent être obtenus dans des boutiques, tandis que d'autres peuvent être obtenus comme récompense en complétant des quêtes. D'accord. Il faut toujours se souvenir de regarder autour hein, pour de nouveaux textes de référence. Ouais, si on est un peu bloqué dans la progression à travers l'arbre de recettes. Ok. Ok, d'accord. Alors, l'arbre de recettes... Ah oui, d'accord, c'est ici. Donc, basket. Donc là, tools, consumables. Donc là, c'est vide parce que j'ai tout mis dans le coffre la dernière fois que j'ai sauvegardé. Idée de recette. Ok. D'accord, là, c'est sédative ointment. Donc, c'est un baume sédatif, je pense. Ah, d'accord, donc ça, c'est déjà appris. D'accord, ça, je peux craft. Des lingots, vêtements, ok, bon, vêtements, ça, effectivement, j'ai fait la dernière fois des vestes de voyageurs, bombe de glace, d'accord, bombe, des bombes de lumière, faudrait que je les fabrique, peut-être, ça serait bien. Par contre, du coup, est-ce que je peux voir les ingrédients sur la page ou pas? Partager, Sophie. Ah d'accord, on peut descendre, ok. En fait, il y a encore d'autres recettes. En fait, il y a deux pages. Alors, il y a charrette, donc c'est-à-dire partager. Donc peut-être... Oui, il n'y a peut-être pas que Sophie qui peut fabriquer les... ces recettes-là, j'imagine. Parce qu'après, il y a une page Sophie. Donc j'imagine que là, c'est que Sophie qui peut fabriquer ça. Par contre, pourquoi on peut pas voir les ingrédients qui sont nécessaires hein? C'est que quand on est au chaudron qu'on voit les... Ah, voilà. Non, sauté food. Non, c'est un seul truc. Ouais, bah je pense pas qu'on puisse... Non, bon. Je pense que c'est que au chaudron qu'on peut voir, en fait. Hein. Alors, équipement, tiens, je suis en train de me dire... Est-ce qu'elle a un meilleur... Non, il n'y a rien de... Et on n'a aucun objet. Il faudra que je fasse de la synthèse, hein, quand même. Hein. On n'a aucun équipement aussi. Je pense que la prochaine fois, là... Parce que moi, je vais à l'aventure, mais du coup... Bon, c'est pas grave. Bon, là, on va récolter plein de trucs et il faudra faire de la synthèse, hein, quand même. Hein. Euh,
Alors du coup, on voit la minimap. Voilà. Donc on voit que en bas à gauche, on peut aller où en haut à gauche. Donc faut aller vers l'ouest en tous les cas. Ah, et là c'est le point de voyage. Donc ça on check, comme ça j'irai même directement à ce point là. Bon, j'en profite, hein. Tout ce que je peux récupérer, je le récupère. Ah, j'ai obtenu la Red Neutralizer. Donc j'ai obtenu une nouvelle recette, j'ai l'impression. Donc ça l'a inspiré de ramasser une fleur rouge. Ah, une nouvelle idée. Ok, un neutraliseur vert. Ok. Ah, et je pouvais appuyer sur le plus pour avoir des détails, mais j'ai pas appuyé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, quand on fera la recette, quand on verra les recettes au chaudron, ça nous dira quels ingrédients sont nécessaires. Forcément, pour faire la recette, il n'y a pas le choix. Allez, on va faire un petit combat. Je suis un peu loin. Voilà. Et si on tape avant, ça donne un avantage. Allez, on va garder un peu nos PM. Bon, ça lui enlève pas beaucoup de PV. Ah, Plachta, elle est pas avec nous? Ça m'étonne, Plachta. Elle est en retrait, Plachta? Pourquoi elle est pas avec nous? Ok, j'ai obtenu Blue Pony Balls. D'accord, j'ai obtenu Pure Water. Grassicle. Ok. J'adore ce ciel orangé là, comme ça, c'est super beau. Ah, du sable blanc. De toute façon, plus on ramasse de trucs, plus on fait de recettes pour synthétiser des objets. Hein. Il y a 50 000 trucs à ramasser. Franchement, limite, on peut faire... Alors ça, je peux pas encore le ramasser. Je sais pas pourquoi il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de ramasser. Bah, c'est le même truc, j'ai pas le droit. Bon, ça, c'est du miel. Ah, une nouvelle idée, avec la fleur jaune. Un neutraliseur jaune, ok. Ah, détail. Ça, je peux pas. Allez, on ramasse les prunes. Je crois qu'une mise, ça doit être les prunes. Hein. De toute façon, ils auraient mis à Apple, hein, donc... C'est pas des pommes. Ah, une nouvelle idée avec la fleur bleue. Alors, un neutraliseur bleu. Allez, on va attaquer celui-ci. Ah, d'accord. Bah oui, Plachta, viens nous aider.
Eh, pas mal. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est en retrait, Plashta. Donc j'ai obtenu la fourrure de lapin. Ok, Grassicle. Alors, parti. Bah ouais, je sais pas pourquoi qu'elle est en retrait. Bon, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Par contre, là, faut que j'aille quand même à l'ouest pour aller vers l'objectif. Parce que le but, c'est quand même d'aller dans la forêt proche. Allez, Breezy Field. Ah, j'aurais dû me téléporter là, en fait, directement. Bon, c'est pas grave. Alors là, il y a le pont. Pareil, je vois l'icône bleue qui est à gauche, donc on continue vers l'ouest. Donc là, on va ramasser des champignons. Bon, franchement, il n'y a pas de difficulté pour trouver des ingrédients. Là, le monde regorge d'ingrédients à ramasser. Allez, je vais affronter des bleus cette fois. Un petit lapin cornu bleu. La petite musique très sympa, franchement. Tiens, on va se protéger avec le bouclier des Aegis. Comme ça, je protège tout le monde. Allez, les petits coups d'artifice là. Faire des dégâts aux deux. Alors, elle. Laser. Allez, attaque de zone. Un petit peu d'XP. Alors, ce qui est bizarre dans ce jeu, enfin, ce qui est un peu étrange, hein, c'est qu'on a démarré, je crois, level 16. Ah, nouvelle idée de recette. On a obtenu sauce bonne, ok. Donc, on a obtenu la recette Punigelli. Donc, Grassicle, c'est prêt à apprendre, ok. Ah, d'accord, j'ai compris. En fait, avec l'histoire du truc, le vert machin là. Alors, j'ouvre le menu de recettes. Grassicle, donc là, c'est prêt à apprendre. Ah, il fallait tuer 3 ennemis, en fait. Ok. Ça, c'est déjà appris, ça, c'est déjà appris. Non, c'est recommandé, hein. Mais, voilà, donc là par exemple, ceux-là, là, les Red Neutralizer, Yellow Neutralizer, j'ai obtenu ce qu'il fallait, mais ils sont pas encore prêts à apprendre. Pourtant, obtenu Fleur Jaune 1 sur 1, level 10, donc je suis quand même level 10. Donc je sais pas pourquoi ils sont pas encore prêts à apprendre.
Ouais, mais je sais pas pourquoi ils sont pas prêts à prendre ceux-là. Ah, peut-être qu'il faut qu'ils soient reliés. Je sais pas. Bon, là on verra, j'avoue. J'ai pas forcément tout compris dans les explications en anglais. C'est le problème de pas être bilingue non plus, hein. Après, c'est pas grave, au fur et à mesure du jeu. Après, j'irai faire de la synthèse. Et je verrai bien, de toute façon, voilà, en ramassant les objets, ce qui se débloque, ce qui se débloque pas, en achetant des parchemins avec des recettes, en obtenant aussi en récompense de quêtes, voilà. De toute façon, tout ça débloquera, donc je m'en fais pas beaucoup non plus. Après, si vous, en commentaire, vous avez mieux compris que moi, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, ça peut m'aider aussi. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Likez la vidéo, c'est important pour les recommandations aussi. Et lâchez vos commentaires. Alors, ah, donc il pleut, mais le soleil était en train de briller il y a juste une minute. Bah oui, Sophie. D'accord, donc c'est toujours comme ça dans cette zone-là. La pluie ne s'arrête jamais, ok? D'accord. Alors souviens-toi, tout dans Erdwidge est construit par les visions de rêve des gens. S'il pleut dans cette vision de rêve, cette région. Ah oui, d'accord. S'il était en train de pleuvoir dans la vision de rêve de cette région, avec laquelle cette région est faite, il pleuvra tout le temps. Eh ouais, c'est étrange, effectivement. Ouais, c'est ça peut être vraiment la chose la plus, je sais pas, peut-être étrange que j'ai entendu jusqu'ici. Ah, il y a des méduses. Donc là, on est dans la Near Forest. Ok. Allez, on va affronter un champignon déjà. Allez, le bouclier d'Aegis. Storm Cluster. Donc là, ça va faire des dommages magiques à tous les ennemis. Le vent, hein. Bon, ça leur a pas fait trop mal. C'est qui a lancé ça? Ok, on prend un petit peu d'XP. Bon, plus ça va et on va se rapprocher du level 21. Ah, une petite idée. Alors, Imps Mischief, donc c'est prêt à prendre. Voilà, grâce aux champignons qu'on a obtenus. Et la méduse. Donc en fait, c'est bien d'affronter au moins chaque monstre au moins une fois. Hein. Allez, le double impact contre la méduse. Ouais, faut que je fasse gaffe au MP aussi. Ok, j'ai obtenu des gemmes, des joyaux, ok. Ah, petite recette, idée de recette.
Ok, donc Puni Jelly. Ok, donc ça c'est obtenu. Prêt à apprendre. Donc j'ai pas mal de choses à synthétiser, hein. Alors, je ramasse un petit peu les ingrédients. Ah, des tonneaux aussi. Donc c'est huile naturelle, ok. Ah. Ah, on peut pas se reposer, mais on pourrait. Peut-être plus tard, on pourra se reposer à défaut de camp. Ouais, pour éviter. Pas toujours sauvegarder. Que dans le bureau de sa boutique d'alchimie. Alors, par rapport à la map, donc là on doit aller là, ok. Ok, donc faut remonter. Allez, on va accélérer un petit peu. Ok, je garde un petit peu les raccourcis. Je suis tenté de tout ramasser, moi. Hein? C'est qui, lui? Il y a un champignon bleu aussi, mais lui, je connais pas. Bon, déjà, on va se protéger tout le monde. Ah, mais par contre, je suis bête. Elle a plus beaucoup de MP, Sophie, hein. Bon, Plashta. Elle a pas mal de PM, donc ça va. Allez, le laser. Oula, il m'a bien amoché. Allez, level 30. Allez, les dégâts de vent. Ah non, Sophie, elle est morte. Oh. Ah, mais j'ai synthétisé aucun objet. Ouh là là. Ah, je pense que c'est un peu en mode contre-attaque quand elle est touchée. Est-ce que... Alors j'aurais bien voulu le vaincre. Ouais, ça va être compliqué. D'accord, ça va être compliqué. J'aurais dû m'enfuir. Alors, défaite. Me dis pas que j'ai perdu tous les objets. Alors, si tous les membres de l'équipe sont défaits en bataille, tu retourneras à ton atelier. Ah mince. Je perdrai une sélection d'objets. Oh là là. Mais pas tous apparemment. Ouais, j'aurais dû m'enfuir.
Alors, j'ai perdu quelques objets après ma défaite. Oh, mais j'en ai. D'accord. Mais il m'en reste encore beaucoup, donc ça va. D'accord, et en venant à l'atelier. Ok. Bon, on va fabriquer des objets. Hein, notamment des objets de soins. Alors, avec Auto Add Materials, donc ça veut dire des matériaux ajoutés automatiquement, les composants seront placés dans la synthèse, dans le panneau de synthèse automatiquement, ok. Ok, donc on peut être capable de faire l'Auto Add de matériaux en pressant ZR. Ok. Ok, on utilise ça bien quand on veut accélérer un peu le processus de synthèse. Hein. Alors, tutoriel Redoing Synthesis. Si tu places accidentellement un composant dans le mauvais slot, hein, tu peux appuyer sur L pour effacer. Ok. Tu peux refaire une étape que tu as précédemment défait en appuyant sur R. D'accord. Ok, bon. Resélectionner des matériaux. Alors, on peut swap. Du coup. Je sais pas, on peut peut-être mettre. Swap, je sais pas ce que ça veut dire. Des matériaux inutilisés pour différentes. Ouais, je comprends pas trop là, j'avoue. Bon, je verrai. Alors là, c'est toutes les recettes que je peux faire. Alors par contre, en rouge... Ah d'accord, non. Je peux pas les faire parce que il me manque des ingrédients. Ice Bomb, il manque un neutraliseur. Ah d'accord, donc c'est bien que je fabrique des neutraliseurs. Donc je vais fabriquer des neutraliseurs. Il faut une fleur rouge, deux gunpowder, un water... Oh, ok. Alors, une fleur rouge. Ok. Ah, il y a différents trucs de liquide. Ok. Par contre, pourquoi il m'a deux? Parce qu'il n'y avait qu'une fleur. Je comprends pas trop. Et on démarre. Ok, 5 neutraliseurs rouges, ok. Ok, mon niveau d'alchimie augmente. Et du coup, maintenant, je peux fabriquer une bombe de glace, ok. Et alors ça, par contre, faut que je... Sedative ointment. Ça va me soigner, j'imagine. C'est vrai qu'ils disent pas. Ah, voilà. Regardez les effets avec Y. Ah, bah, c'est pas marqué.
Ah, bon. Peut-être qu'il faut que je synthétise d'abord, je sais pas. Alors, deux herbes. Voilà, donc effet, donc ça permet de récupérer des HP, ok. Et ça soigne la brûlure. Très bien. Bon, je vais encore en fabriquer, hein. Ah, d'accord. Donc il y aura plusieurs effets. Celui-là, ok. D'accord, il a d'autres effets. Apparemment, il soigne poison. Alors, éveil de santé, je sais pas quoi. Est-ce que je peux augmenter mes PM, mes PV maximum, je sais pas. Et après. Last Hands, je sais pas ce que c'est ça. Bon, on va voir. C'est-à-dire que les symboles ils changent en fait sur la palette là.
Bon, je sais pas si je fais les meilleurs mélanges, hein, mais bon. Bon, qualité 64, c'est déjà pas si mal. Ah! Elle a pris un level de chimie. On va faire une bombe de lumière. Là, on voit plus les symboles foudre. Bombe d'éclair plutôt. Alors ça c'est quoi, Puny Jelly? Ah, je peux fabriquer du miel aussi. Veste de voyageur, peut-être que ça, ça peut être bien pour... Pour faire un vêtement plus perfectionné, je sais pas. Quand on complète une ligne, ou plusieurs lignes, hein, je crois qu'il y a un bonus. Allez, un level d'alchimie en plus. Les diagonales, ça marche aussi, hein. J'ai plus de coccinelle du coup. C'est vrai qu'après je pense qu'il y a certains objets que je ne peux plus fabriquer parce que je commence à manquer de certains ingrédients. Bon après, il y a toujours moyen évidemment d'en ramasser d'autres. Hein.
ça que j'ai complété deux lignes. Warcraft, c'est quoi? Je sais pas trop quoi ça... Donc ça fait quand même des wins, c'est une bombe hein, quand même. Une bombe avec des piquants, ça fait quand même des dommages physiques de rang S, ok. Donc nouveau level d'alchimie, ok. Allez, on va refaire une bombe de glace. Je vais faire un peu de remède aussi, si je peux. Allez, deux lignes de compléter. Bon, j'ai encore de quoi faire des sédatifs, enfin des potions de soins. Hein. Allez, deux lignes. Donc ça soigne une brûlure, ouais. Alors décroît le prix de vente est dans les shops de 20%. Ah bon? Qualité 32, ok, qualité 32. En fait, comme j'ai pas trop fabriqué d'objets depuis le début, je me retrouve avec plein d'objets là à fabriquer, vu que j'ai pas mal de matériaux.
Allez, j'ai fait deux lignes. Là, il y a un bonus de zone. Ah, bonne qualité, 57 quand même. Allez, je vais faire encore un truc de soin. Alors, hop là. Allez, je continue encore un petit peu. Ça peut me servir. Et comme ça, j'ai fait deux lignes. Là, alors, je continue. Ah, qualité 52, donc ça c'est bien. Allez, encore un truc de soin. Et l'autosynthèse d'ailleurs, c'est comment ?
Ouais, je m'arrête pour la synthèse. Je vais sauvegarder et je voudrais bien quand même aller dans la Near Forest. Parce que du coup, là, j'ai pas vraiment avancé dans l'histoire plus que ça. Alors, faut quand même que je sauvegarde avant. Alors, du coup. Voilà, donc la Near Forest est là. Bon, comme ça, on n'a pas quand même trop perdu de temps. Il y a un raccourci qu'on avait activé. Ok. Donc du coup, pour accélérer, je vais laisser tomber le... Mince. Le combat contre le gros, là. Oui, il fallait monter, ok. Et par contre, j'imagine qu'on a... Voilà, l'équipe, voilà, on est revenu en HP complet. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a perdu des objets, mais on n'avait pas perdu tous les objets, hein. Ils avaient dit qu'il y avait une sélection d'objets perdus, bon. Ils n'ont pas dit combien, ni lesquels. Mais bon, malgré tout, c'est pas une catastrophe, voilà. Le jeu n'est pas très punitif. C'est pas Elden Ring, quoi. Bon, ceci dit, j'ai bien envie d'utiliser mes objets, mes bombes là que j'ai fabriquées. En plus, j'ai des objets de soins maintenant. Allez, je tentais voir l'effet des objets que j'ai utilisés. Alors. Ah, item, je peux pas utiliser mes objets? Non. Mais pourquoi? Ah, il y a un truc que je comprends pas là. Non. Il fallait que je les amène depuis l'atelier? Putain, c'est pas vrai. D'accord, alors faut que je vois ça parce que là je comprends pas. Je vais retourner à l'atelier. Ah, parce que moi je pensais que bêtement, hein. Bon, ok, d'accord. Moi je pensais que c'était... Bah mes objets sont où du coup? Bah... Ouais, non... Ou est-ce qu'il faut aller dans le chaudron peut-être, non? Non, là c'est vraiment que pour fabriquer des objets, hein. Mais une fois qu'ils sont fabriqués, ils sont où? Visiblement, ils sont pas dans... Il y a un truc que je comprends pas, là. Container. All, ingrédients, consumables. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fabriqué, ouais. Mais ça, je crois pas que... Non? En fait, c'est que dans l'atelier, parce que j'avais pas tout ça hein, quand j'étais à l'extérieur. Hein. Ok. Donc, consommable. Donc, sédatif. Ah, j'en ai 6. D'accord. Discard, ça veut dire quoi, discard? J'ai peur que ça veut dire effacer. Alors, discard, je vais quand même vérifier. J'ai pas envie de faire n'importe quoi.
Jeter, ouais, donc non. Ajouter aux favoris. Est-ce que du coup, bah non. Je comprends pas. Ah, il y a un truc. Comment on les met? Parce que si on peut pas les utiliser dans l'aventure, c'est bien de synthétiser, mais je vois pas l'intérêt, hein. Je comprends pas. Ah, d'accord, c'est dans l'équipement. À tous les coups. D'accord. C'est dans l'équipement qu'il faut aller. D'accord. Oh là là. Ok, donc j'ai mis un truc sédatif. Bombe de glace. Bombe de lumière. Et craft. Ok. Et du coup, faire pareil pour le plashta. D'accord. Ah non, ça c'est déjà attribué, c'est ceux qui sont déjà attribués. Ah d'accord, parce que les trucs ont été virés, d'accord. Voilà, déjà deux fois ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je fabriquerai d'autres objets. Ok, du coup, j'ai compris, j'ai pu équiper les objets. J'ai enfin compris. Alors, on va sortir, on va retourner à la Near Forest. Et on va pouvoir utiliser les objets hein, que j'ai du coup synthétisés. Awesome.
Alors maintenant, allez, je vais l'affronter. Et je vais utiliser mes objets. Voilà, là je peux. Ok. Alors. Ah, ça veut dire quoi? Il résiste à ça? Allez, on va voir ce que ça lui fait, la bombe de lumière. Bon, il résistait, mais bon, malgré tout. Non, pas ça. On va voir s'il résiste vraiment. Ouais, bon, ça lui fait quand même des dégâts un peu. Et la bombe de glace. Ouais, pas mal. Je crois que c'est la bombe de lumière qui lui a fait le plus de dégâts quand même. On va un peu protéger tout le monde là. Bon, ce qui est bien, c'est que quand on synthétise un objet, il est synthétisé mais en plusieurs quantités. Hein. Voilà, là il est marqué utiliser 6 fois. Là pareil, 6 fois, 7 fois, 6 fois. Si c'était vraiment qu'on en, si on en synthétisait qu'un à la fois, ça fait déjà un peu plus chiant quand même. Hein. Bon là du coup, avec les objets, moi j'ai moins peur. Parce que du coup j'ai de quoi me soigner aussi. Hein. Comme ça, il n'y a pas que la magie sur laquelle on peut compter. Parce que je crois que j'ai pas d'objet pour restaurer la magie. Allez, le laser. Donc là, on a gagné. Et on a pris des niveaux. Ok. Donc j'augmente un peu les HP, les MP. SPD, je sais pas ce que c'est ça. Peut-être la speed. La défense. La vitesse. Ok. Alors du coup, je vais voir si... elles ont monté tout leur PM et tout leur PV en montant d'un niveau. Ça, je sais pas. J'ai pas fait attention. Donc j'ai obtenu des matériaux, kiffer, ouais. Une nouvelle recette, non? Non, pas idée de recette. Voyons le statut. Ah non, ça n'a pas régénéré leur PM et leur PV d'être remonté d'un niveau. Ok, bon. Pas de soucis. Allez, on va accélérer un petit peu. Que le temps passe vite, hein. Ça fait déjà 1h11 de let's play. On dirait un nid en fait. Ah, c'est des œufs inconnus, ok. Je pense qu'elle a laissé le nid, elle a plus que les œufs. Il y avait des citrouilles apparemment, mais les citrouilles n'étaient pas clignotantes. Ah, donc là il y a une fontaine. Bon, c'est là qu'on devait aller, hein, visiblement. Alors il semble qu'on est bloqué. À moins que quelqu'un apporte un pont. Hein? Bah oui, pourquoi pas. Alors nous pouvons même pas être sûrs que Ramizel est venu par ce chemin. Sur ce chemin. Nous pourrions facilement avoir loupé quelque chose. Peut-être que t'as raison. Si nous ne pouvons pas traverser, elles n'ont plus, hein, probablement. Ce qui paraît assez logique, hein, effectivement.
C'est assez logique. Ah, qu'est-ce qu'elle a vu, Alette? Ah oui, il y a des boîtes là, j'ai vu ces boîtes-là de loin. Est-ce que ça ne serait pas... Alors, Alette, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Alors je vois, c'est un fantôme au-dessus d'un rocher, de ce rocher, qui semble avoir un but ou je sais pas quoi. Je comprends pas trop. Alors c'était, il y a une éternité en gros, hein. Mais une fois, j'ai vu Ramizel utiliser ça. D'accord. Elle a fait quelque chose avec ce rocher. Ah d'accord. C'est comme un tour d'interrupteur qui va faire apparaître peut-être un pont. Et ensuite, le monde entier est devenu Shroom, je sais pas quoi. Bon. Ah d'accord. Ensuite, la pluie s'est arrêtée et la rivière a disparu. Ok. Donc ça va nous permettre de traverser en fait. Shroom? Ouais, l'eau a été aspirée, je pense. Ça semble dur à croire. La pluie s'arrête. Bon, la pluie qui s'arrête, c'est une chose. Mais une rivière entière s'assécher. Ça semble bizarre, effectivement. C'est vrai. C'est la vérité. Je suis en train de vous le dire. J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, si tu as raison, nous pourrions être en fait sur le bon chemin. Hein. Mais nous ne pouvons toujours pas traverser la rivière. Alors elle pense que ça serait mieux de retourner à la ville et de parler avec Cathy. Elle pourrait savoir quelque chose que nous ne savons pas. C'est une bonne idée. Si quelqu'un peut nous en dire plus, c'est elle. D'accord. D'accord. Donc en fait, on peut pas y avoir... J'ai essayé, mais bon. Il y a un moyen d'utiliser en particulier que nous, on ne connaît pas. Hein. Donc on va pas s'y aventurer. Bon, du coup, faut retourner à la ville. À Reutel. Mince. Ah oui, je peux aller directement au Crystal Sparkle Pavilion, c'est bien ça. Je vais retourner à l'atelier pour sauvegarder. Alors, je vais sauvegarder. Et du coup, là, on est à plus d'une heure et quart de let's play. Donc, je vais m'arrêter là, ça fait déjà un bon let's play. Bon, c'est un jeu qui est très sympa. Hein. Bon, l'histoire, ça n'avance pas vite. Bon, après, c'est pas une histoire ultra dense, hein, c'est pas... un Final Fantasy ou quoi, hein, c'est quand même... je pense que ça va être un scénario, voilà, faut chercher Plashta. C'est surtout ça, je crois, le scénario. Bon, on va voir, hein, mais... en tous les cas, c'est sympa. J'espère que ce petit let's play vous aura plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit. Vous avez juste à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Et lâchez vos commentaires. Et moi je vous dis du coup à très bientôt pour la suite d'Atelier Sophie 2. Pour d'autres let's play bien sûr. Sur la chaîne. Triangle Stratégie, Elden Ring, Voice of Cards. Et prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao. Et jouez bien. Ciao.